Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera des astuces pour mieux organiser sa rentrée scolaire. Des conseils pour économiser et réussir une rentrée scolaire à petit prix. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nathalie, maman de deux. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur la vie de maman et bien évidemment la préparation de la rentrée scolaire ou alors la bonne préparation de la rentrée scolaire est du devoir de la maman. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est juste en bas et c'est gratuit. Et pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me motive à continuer à vous produire du contenu. Je suis maman de deux dont l'aînée a 7 ans. Cette année, elle ira en classe forme. Ça va faire quand même plusieurs années que je prépare la rentrée scolaire. Et aujourd'hui, je vous parle de comment réussir sa rentrée scolaire en respectant son budget, surtout quand on a un petit budget. Réussir une rentrée scolaire en conservant le sourire, voici quelques astuces pour que tout se déroule sans souci, surtout en respectant son budget. Une bonne planification de la rentrée scolaire est de mise afin que les devoirs de la rentrée scolaire soient faits dans les meilleurs délais. Il est important de s'y prendre à l'avance, de planifier et s'organiser par rapport aux achats, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Surtout s'y prendre à l'avance et faire cette organisation-là, même si on n'a pas encore les sous disponibles. Là, quand on est prêt, il ne manque plus que les sous. Quand il y aura les sous, ça sera très facile. Très rapide. La première chose que je fais, c'est d'abord l'inventaire. Comme d'habitude, pour faire les achats de quoi que ce soit, je fais l'inventaire de tout ce que j'ai déjà à la maison. Je dois noter, est-ce que les tenues de l'année dernière peuvent être réutilisées? Est-ce que les chaussures, ou bien sur les chaussures, j'ai combien de chaussures qui doivent être réutilisées? Avec ma liste à main, je dois tout noter. Je dois noter jusqu'au sous-vêtement à mettre dans la tenue. Donc je commence, caleçon, collants, chaussettes, chaussures, manteau, parapluie, sac de classe, sac de goûter, gourdes, gamelles ou lunch box, les tenues de sport. Et pour les fournitures chez nous, il faut d'abord payer l'inscription de l'enfant avant d'avoir la liste des fournitures scolaires. Et déjà, on ne peut pas déjà savoir ce qu'on peut dépenser dans les fournitures scolaires à l'avance. Si on n'a pas déjà payé l'inscription, en fait, ici chez nous c'est comme ça. Mais en attendant de payer l'inscription et avoir la liste des fournitures scolaires, je commence par ces autres choses-là qui accompagnent la rentrée scolaire. Et c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui. En tout premier lieu, il est indispensable d'avoir à main la liste des effets de chaque enfant. Là, on ne parle pas directement des fournitures, genre cahiers, livres, règles, etc. On parle de ces choses-là qui accompagnent la rentrée scolaire. Bon, les choses indispensables pour aller à l'école, quoi. Donc, quand vous avez la liste de ces effets pour chaque enfant, vous posez donc des questions. Est-ce que le sac à dos de l'année dernière est encore en bon état? Est-ce que je peux réutiliser telle chaussure, telle gourde? Sur la liste, donc, on coche tout ce qui est réutilisable. S'il y a des choses qu'on peut coudre, faire arranger, faire réparer, coller par-ci, question de réduire son budget, c'est toujours des bonnes pratiques. Bien sûr, il vaut mieux ne pas attendre la dernière minute. La veille de la rentrée scolaire n'est pas la date privilégiée. Moi, je n'hésite pas à recycler les choses d'une année à l'autre, même si les enfants me rassurent avec leur beau sourire. Non, maman, il nous faut de nouvelles choses. Non, moi, je les convainc plutôt en disant qu'il est important de réutiliser certaines choses pour ne pas dépenser excessivement. La consommation à outrance n'est pas obligatoire. Quand quelque chose fonctionne encore bien, pourquoi remplacer? Il faut réutiliser. Non seulement on économise et on fait du bien à l'environnement. Je n'ai pas peur de montrer à mes enfants la différence entre le besoin réel et le désir. Ce qui ne m'empêche pas non plus de les gâter de temps en temps en les laissant choisir par exemple une nouvelle trousse pour te faire plaisir. Si jamais la trousse de l'année dernière est encore en bon état, bon, je te dis voilà, tu peux choisir une nouvelle trousse, c'est pas. Après avoir fait le point sur ce que j'ai déjà, c'est-à-dire regarder dans les effets des enfants, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, ce qui est réutilisable, je mets tout sur une liste. Là, j'ai ma petite liste que j'avais déjà faite, donc je vais un peu vous lister tout ce que j'ai mis sur ma liste, ce que je vais réutiliser pour vous donner un petit aperçu. Là, j'ai marqué les caleçons. L'année dernière, à mes filles, j'ai acheté à chacune une douzaine de caleçons. Et sur cette douzaine de caleçons, j'ai mis trois de chacune de côté. Donc, elles ont utilisé 9 en plus de ce recyclé de l'année d'avant. Cette année, donc, on va trier tout ce qui est déjà vieux, on se sépare de ça.
Parmi ces caleçons-là, ce qui est encore en bon état, on va ajouter sur ce qu'on va acheter cette année. Donc cette année, je peux choisir d'acheter demi-douzaine pour chacune, 6-6, ou alors prendre encore une douzaine pour chacune, pourquoi pas. Les chaussettes. Pour les chaussettes, je prends à chacune 3 paires de chaussettes, pas plus, parce que je préfère leur mettre les collants. Collants chaussettes du pied là jusqu'en haut. Pour les collants, alors dans leur école, on exige les collants blancs et les chaussettes blanches aussi. Prendre 5 collants pour chacune, 5 collants blancs. Là, je suis sûre que pendant l'école, si en semaine j'ai la flemme ou j'ai un malaise, je ne peux pas faire la lessive. Je suis sûre qu'au moins les 5 collants vont couvrir toute la semaine. Pourquoi pas augmenter à 7? Pour les sous-vêtements, l'année dernière, je leur ai pris 6 sous-vêtements, c'est-à-dire des demi-douzaines de sous-vêtements. Je dois maintenant leur acheter les paquets de 3 sous-vêtements qu'elles vont associer à ce qu'elles ont déjà. Maintenant, je peux décider de compléter en prenant quelques démembrés en friperie, selon les moyens que j'ai. Pour les tennis, chacune d'elles a encore une tennis de l'année dernière. Mais je doute que ces tennis-là puissent couvrir toute l'année scolaire. Du coup, je vais encore leur acheter une tennis. Les tennis, c'est beaucoup plus pour le vendredi, le jour du sport, ou bien pour les petites sorties avec papa qui aime bien les mettre sur les tennis, etc. Donc, en fait, c'est ça. Les ballerines, dans leur école, ce sont les ballerines noires. Donc, les ballerines de l'année dernière, il reste une ballerine qui sont encore un peu en état, mais il va falloir coudre pour qu'elles puissent porter quand même cette année scolaire. Mais là, je dois leur acheter encore à chacune 3 ballerines. Ballerines noires. Leur école, c'est noire, ballerines noires, chaussettes blanches ou collants blancs. Les ballerines bata, ce sont des ballerines en plastique ou en caoutchouc que j'aime acheter une paire à chacune pour les jours de pluie. Soit les ballerines, soit les bottes. Donc ça va dépendre, mais ça sera toujours noir parce que leur école c'est noir. Les manteaux. Le manteau de la grande est déchiré, le manteau de la petite est encore là. Donc je vais juste acheter un manteau à la grande. Sauf que j'ai un problème. Quand je dois acheter quelque chose pour une seule personne, dans le fait que je n'achète pas pour l'autre, j'ai les problèmes, surtout quand c'est la petite. Là maintenant, c'est le manteau de la petite qui est encore en bon état. Il faut acheter la grande. La petite va me faire toute une misère, va me faire une crise. Du coup, je suis obligée d'acheter 2 manteaux. Par contre, la grande étant déjà consciente de la réduction du budget, des dépenses et tout, quand c'est pour la petite qu'il faut remplacer, elle les comprend. Je suis vraiment pressée que la plus petite comprenne aussi ces choses. Parapluie, je vais acheter 2 parapluies et 1 grand parapluie. 2 parapluies, c'est juste aussi pour faire plaisir à la petite. Sinon, quand il pleut, la petite, on la porte et c'est le grand parapluie qu'on couvre. Et la plus grande, elle marche, elle tient son parapluie. Mais il faut quand même acheter 2 pour que ça ne devienne pas les problèmes à la maison. Les sacs de classe. Chaque année, en fait, j'achète un nouveau sac de classe pour que ça leur fasse 2 sacs de classe à chacune. Celui de l'année dernière, je ramène ça. Et un nouveau sac de classe pour les premiers jours, peut-être la première semaine. À partir de la deuxième semaine, quand un sac est sale, elle porte le deuxième. Les gourdes. Les gourdes, je ne vous en parle pas. Franchement, mes filles avaient des gourdes, c'est la catastrophe. L'année dernière, elles ont juste fait le premier trimestre avec leurs gourdes. Au deuxième trimestre, elles ont utilisé au trop pendant 3 semaines. Après, là, je leur mettais les gourdes d'eau. Les petites gourdes, je leur mettais ça dans le sac, vraiment, allez vous débrouiller avec ça à l'école. Donc, pour les gourdes, je vais quand même acheter une gourde à chacune. Et cette année, si je n'investis pas dans les gourdes, l'année dernière, j'ai pris des gourdes chères, mais regardez ce qui est arrivé. Je prends des gourdes juste pour leur faire plaisir en début d'année. Que non, on a des nouvelles gourdes. Après, là, dès que ça se gâte, tu commences à mettre des bouteilles d'eau dans le sac. C'est de trop. Franchement, les mamans, dites-moi en commentaire si vos enfants restent avec les gourdes jusqu'en fin d'année. J'ai vraiment envie de savoir. J'ai vraiment envie de lire cela en commentaire. Est-ce que vos enfants restent avec une gourde jusqu'en fin d'année? Et même si c'est 2 gourdes, est-ce qu'ils restent avec jusqu'en fin d'année? Dites-moi, s'il vous plaît. Les gamelles, ce sera les mêmes gamelles de l'année dernière. Cette année, je n'achète pas de gamelles. Donc, les lunchbox, je n'en achète pas. Ma liste est tellement grande parce que
C'est à la rentrée scolaire que je renouvelle beaucoup de choses. Certains parents renouvellent les choses de leurs enfants en début d'année ou en fin d'année. Moi, c'est à la rentrée scolaire que je vérifie. Je change leurs serviettes, je change les gants, je change certains pantalons, les pullovers. En fait, je renouvelle leurs effets, quoi. Donc, ma liste, elle est grande. Là, j'ai les gants, j'ai les serviettes. J'ai même le sèche-linge parce que vous avez vu dans ma dernière vidéo comment je galère pour sécher les habits. Mon mari lui a mis la corde à sa taille, c'est pas ma taille. Mais il me faut un sèche-linge. Pour mes enfants, il va leur falloir une tenue de classe cette année. Vu que les tenues de l'année dernière sont encore en bon état. Mais comme je dis toujours, il leur faut deux pour que ce soit plus facile. Si une tenue est sale, qu'on ne se mette pas la pression de laver, ou si on lave, ça ne sèche pas, qu'elle puisse porter la deuxième. Mais la deuxième, ça sera la vieille tenue de l'année dernière. Maintenant, pour les fournitures, comme je vous l'ai dit, ça sera après l'inscription qu'on récupérera à l'école la liste pour faire les achats. Une fois notre liste terminée, il faut maintenant faire les achats. Moi, particulièrement, je ne conseille pas d'aller au marché avec les enfants parce que vraiment les enfants nous font dépenser. Je me lève un matin où je suis de bonne humeur, où je sens que je dois magasiner, je dois marcher. Je mets mes tennis, je mets mon pantalon, je casse la casquette. Hey, le marché va me sentir, toutes les boutiques vont me sentir. Ce sont les petits prix que tu veux voir. Je fouille. Où ça ne donne pas, je tourne dans la friperie. Mais je passe sans les enfants pour être sûre de ne pas dépasser mon budget. Et surtout, je mange avant de sortir pour ne pas avoir faim au marché et me retrouver en train de dépenser. J'espère que je vous ai donné dans cette première partie vraiment des conseils, des astuces pour faire une rentrée scolaire à petit prix et les bons plans. On continue avec les achats. Pour les achats, il est important de prioriser les achats en gros, comme je vous l'ai dit au départ. Les slips, si vous avez plusieurs enfants, prenez en gros. Même si vous avez un seul enfant, prenez en gros, peut-être une taille de plus, sachant que l'enfant pourra porter l'année prochaine. L'année prochaine, vous n'aurez pas à acheter. Par exemple, les caleçons, vous pouvez prendre une douzaine, vous prenez une taille légèrement au-dessus. Je prends l'exemple, ma fille, la plus petite, elle a 3 ans et elle va bientôt avoir 4 ans. Du coup, je peux prendre 4-5 ans ou 3-4 ans pour que si jamais elle ne porte pas tout, que l'année prochaine elle puisse porter. Donc, c'est mieux le 4-5 ans. Pour la grande, je vais prendre 7-8 ou 8-9 ans. Parce que là, elle va avoir 8 ans au courant de cette année scolaire et sa petite soeur aura 4 ans. N'hésitez pas à visiter les magasins où il y a des promotions. Les promotions aussi, ce sont des bons plans. Selon moi, c'est comme ça que je fais mes achats. Pour réduire mon budget et économiser. Si l'école de votre enfant a des plus uniformes comme l'école des miens, c'est une bonne chose. Mais sinon, misez pour les plus neufs, les plus de bonne qualité qu'ils peuvent vous porter durant toute l'année scolaire. Mais ici, chez nous, je pense que toutes les écoles ont des pulls qui sont de faire uniforme pour tout le monde. Pour cette partie, on conclut que faire des achats groupés, c'est aussi égal à acheter moins cher. Mais surtout, ne vous laissez pas faire. Si vous avez besoin juste de 6 démembrés pour les enfants et qu'on vous dise pour 12 acheter, vous avez tel ceci, ne cédez pas. Restez sur 6. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez dépasser votre budget. Si au lieu de 6, vous prenez 12, parce qu'on a dit non, 12 achetés, vous avez 500 de réduction. Non, vous allez dépasser votre budget. Mais on conclut que acheter, en gros, c'est acheter moins cher. Une fois que vous aurez la liste des fournitures scolaires, donc ce que l'école va vous donner, faites pareil, achetez groupé. Si par exemple, on dit 12 cahiers de 200 pages, je prends un exemple, et que vous voyez un lot, un paquet de 15 cahiers, je vous conseille de prendre le paquet de 15 cahiers parce que si vous faites la division, ça va vous revenir moins cher. Et en fin de compte, au courant de l'année, quand l'enfant va gaspiller les cahiers, ces cahiers-là seront des cahiers de rechange ou alors des cahiers de remplacement. Ça, ce sont de bons plans aussi. Pour les livres, n'hésitez pas à faire plusieurs magasins pour faire la comparaison des prix. Je vous assure, même si c'est 150, pour 5 livres, 150 fois 5, vous voyez un peu ce que vous avez, ça vous fait déjà une règle, un crayon, une gomme. N'hésitez pas de faire les tours de magasin et demandez même les proformats, pourquoi pas, les proformats avec des rabais pour pouvoir vous décider de là où vous allez acheter les fournitures scolaires de vos enfants. Ceci, ce sont des astuces
pour réduire votre budget, surtout que avec cette pandémie là, les budgets des familles ont vraiment chuté. La préparation de la rentrée scolaire ne se fait plus avec beaucoup de joie et enthousiasme comme avant. Si pour la rentrée scolaire, comment vous aurez besoin de faire un point de voix pour les enfants et que votre budget est limité, c'est pas grave. Les enfants peuvent commencer l'école en étudiant sur la salle à manger et après vous allez arranger ou organiser leur point de voix. Et voilà quelques conseils et astuces pour mieux s'organiser et respecter son budget afin d'avoir une rentrée scolaire avec le sourire. Surtout s'y prendre très tôt. J'espère que j'ai parcouru les plus importants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose ou bien s'il y a une astuce que vous faites qui peut m'aider. Je serai ravie de vous lire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Surtout, j'attends vous lire en commentaire sur comment vous faites, quelles sont vos astuces, quels sont vos bons plans. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!